Agoragie numéro 24. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Quels sont les différents contours de la création d'entreprises? Quelles sont les difficultés que les jeunes rencontrent? Quelles sont les opportunités de création d'entreprises aujourd'hui? Et nous allons en parler avec certains jeunes qui sont là sur ce plateau. Tout d'abord, monsieur Maliki Gariko. Monsieur Maliki Gariko, bonjour. Monsieur Gariko, je rappelle, vous êtes le directeur associé de l'agence GK Service. Vous faites tout ce qui est communication. Vous avez été créé il y a environ un an, c'est ça? C'est bien ça. Également, sur ce plateau de Agoragie, nous sommes avec Abdoul Kadri. Il est également jeune entrepreneur. Il est promoteur de l'entreprise New Tech. Vous faites tout ce qui est informatique. Oui, c'est bien ça. D'accord. Bonjour. Et toujours sur ce plateau, nous ne pouvons pas parler de création d'entreprise sans pour autant parler de financement. Et pour cela, nous avons cherché un spécialiste de financement. Il est avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Monsieur Amara Doumbia. Bonjour Monsieur Doumbia. Bonjour. Monsieur Doumbia, vous êtes financier. Tout à fait. Et pour finir sur ce plateau, nous sommes partis à la recherche d'un jeune au niveau de l'agence pour la promotion, l'emploi des jeunes. Il s'appelle Cheikh Oumar Soumano. Ce n'est pas facile de le trouver. Il est très, très dynamique. Généralement, on ne le trouve pas sur au bureau, mais bien entendu sur le terrain. Bonjour, Monsieur Soumano. Bonjour. Alors, Monsieur Soumano, on vous appelle même Dieudonné, c'est-à-dire vous offrez de l'emploi aux jeunes, vous permettez aux jeunes de réaliser leurs rêves. Vous êtes très, très connu ici au Mali. Pouvez-vous nous dire un mot sur l'APEJ très, très, très rapidement? Merci bien, M. Kaba. En fait, l'APEJ, c'est une agence pour la promotion de l'emploi des jeunes mise en place par les hautes autorités du Mali. Et nous concourons à la création d'emplois pour jeunes hommes et jeunes femmes, diplômés ou non, en milieu rural et urbain, et notamment en facilitant leur accès au crédit et au marché du travail. D'accord. Voilà. Alors, nous allons rentrer dans le débat tout à l'heure, mais bien avant, nous partons avec notre première rubrique. Il s'agit bien sûr de notre micro-trottoir. Nous avons rencontré les jeunes, on les a demandé pourquoi ils n'aiment pas se lancer dans la création d'entreprises. Ils nous donnent leur point de vue. C'est dans Bienvenue dans le ghetto de la semaine. Suivons. J'avais terminé mes études de l'année dernière, je suis de la promotion 2016-2011. Mais malheureusement, en finissant les études, je n'ai pas eu un boulot. Mais Dieu merci, depuis la première année, je me suis lancé dans la photographie. Moi, je continue à prendre la photo. Quoi. Pour créer une entreprise, je pense que la démarche, ce n'est pas facile. Mais je ne sais pas si elle est moins facile quand même. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas facile. Mais pour créer une entreprise, il faut avoir un fonds d'abord. J'ai toujours cette envie de créer mon entreprise. Car moi, mon espoir, ce n'est pas d'aller à la fonction publique, mais d'avoir des soutiens pour créer ma propre entreprise. Il y a un manque de soutien. Donc là encore, il y a une situation financière qui est très difficile qui est là. Le début de toute chose est très difficile. Il se peut que petit à petit, j'aurai l'expérience de pouvoir corriger les petites erreurs. Là, il faut se lancer pour mieux comprendre les choses. Je n'ai pas peur. Moi, c'est un problème de fond qui me manque. Sinon, je les dirais. Et puis, quand on a les moyens, à mes visions, je pourrais le faire. Quoi. Je n'ai pas les moyens nécessaires d'abord. Les jeunes ont des convictions, mais le problème est qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'accompagnement même. Ce n'est pas par peur. En réalité, mais c'est par manque d'informations, parce que nous sommes sous-informés, nous pouvons le dire, la génération. Nous sommes sous-informés, parce que quand on part, ça arrive dans les services, pour demander des renseignements, c'est tout à fait un problème. L'accès même aux services, d'abord, c'est un problème. Alors, retour sur ce plateau de Agoragie. On vient de voir dans ces images-là le point de vue des jeunes. Monsieur Soumano, pouvez-vous nous dire comment se porte l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui au Mali? Monsieur Kaba, ça c'est une très bonne question. Vous savez, je préfère parler avec des chiffres. Chaque année, ce que nous constatons, c'est qu'il y a 100 000 nouveaux jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail. Et sur les 100 000 qui viennent, il y a 12 500 n'est-ce pas, qui pourraient créer leur entreprise. Mais sur les 12 500, il n'y a que 5 000 qui passent à l'acte. Et sur les 5 000 qui passent à l'acte, il y a moins de 500 qui sont financés. OK? D'accord. Et les moins de 500 qui sont financés, le taux d'échec, il est autour de 90%.
Donc, vous voyez déjà hein, l'état bien de. Je viens de faire la radiographie à travers les chiffres. Donc, mais cela ne nous doit pas nous laisser désespérer. Le rôle de l'État, des structures d'encadrement, c'est justement cela, parce que nous voyons, nous faisons des constats, mais il va falloir changer la tendance. D'accord. Ok. Donc, pour cela, nous nous déployons à apporter tout ce qui est appui en termes en amont, en termes d'encadrement, formation, surtout conseil et sensibilisation. D'accord. Ça, c'est très important parce que, comme vous le savez, qui parle de création d'entreprise parle de création d'emplois. Et c'est pour cela, d'ailleurs, les États s'y intéressent. Bien sûr. Parce que la création d'emplois va aussi lutter contre la pauvreté, va diminuer un peu, si je peux dire, le vagabondage, ça peut lutter le banditisme des jeunes. Donc c'est pour cela que nous souhaitons vivement la création d'entreprises. D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que chaque année, il y a environ 5000 jeunes qui rentrent dans ce domaine-là, mais à peine 500 projets sont financés. La faute vient des banques en ce moment, M. Doumbia? Est-ce que c'est les banques qui ne veulent pas financer les projets des jeunes? Je tiens à signaler que les banques tiennent compte de plusieurs facteurs quand elles financent les projets jeunes, les projets de façon générale. Il y a d'abord une analyse de la rentabilité, il y a également une analyse des risques. Et tout ceci se fait en fonction du temps, selon un délai de récupération bien déterminé. Alors, les banques accompagnent les jeunes. Je tiens quand même à le dire, nous, de façon générale, prêtons une attention particulière aux jeunes parce que les jeunes constituent l'avenir. Parce que quand on finance un jeune aujourd'hui, une petite entreprise aujourd'hui, cette entreprise, si elle est bien accompagnée, elle est bien suivie, elle est appelée à devenir une grande société, voire une multinationale. Alors, nous avons tout intérêt à accompagner ces jeunes entreprises. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Abdelkadri, vous avez également votre entreprise. Pouvez-vous nous dire comment s'est passé votre tout début? Ça a été difficile? C'était compliqué? Comme tout début, alors les activités, les gens ne connaissent pas les petites entreprises. Bien sûr. Tout comme un jeune qui vient juste de démarrer. Alors, donc, on est confronté au problème d'expérience. Alors, quand vous voulez faire quelque chose, on vous dit, est-ce que vous avez des expériences? On a d'abord ces premiers problèmes. Le second problème, c'est les problèmes de financement, les garanties. Un jeune entrepreneur qui démarre, qui vient juste de laisser les bancs, n'a pas d'expérience, comme le premier problème. Et un jeune entreprise, je veux dire, un jeune entrepreneur qui démarre n'a pas aussi de garanties. Bien sûr, tout à fait. Surtout un jeune malien n'a pas assez de fonds alors pour tout ce que les financiers demandent, alors pour pouvoir financer les projets. Ouais. Parce que les banques financent sur la base alors des documents qui peuvent aussi garantir leur structure. Donc tout au début, tous les jeunes n'ont pas ces moyens. Ouais. On ne peut pas fournir aussi des preuves alors, pour pouvoir bien démarrer. On peut dire que souvent les banques ne facilitent pas trop la tâche aux jeunes. Bien. C'est bien ça. Mais nous avons démarré, Dieu merci, sur fonds propres. Et nous avons tout fait sur fonds propres. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça commence à aller. D'accord. Également, M. Garico, qui est avec nous sur ce plateau de Agoraji. M. Garico, vous également, vous avez commencé il y a environ un an. Vous avez rencontré des difficultés aussi? Est-ce que les banques ne vous ont pas fait confiance? Ou bien, est-ce que vous avez rencontré les banques d'ailleurs? Ok. Je vous remercie, M. Diakité, pour l'invitation à ce plateau. Et ce que je vais dire dans ce cas-là, c'est que le début de chaque chose est très difficile. Et c'est ce qui bloque déjà l'émergence même de la jeunesse dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc nous, à notre niveau, j'avoue qu'on est allé avec une conviction qui, même si on n'a pas quand même eu une aide venant de quelle banque ou quelle autre, quand même, on a pu, avec l'engagement que nous avons, démarrer sur fonds propres. Et depuis une année, j'avoue qu'on a eu pas mal de difficultés. Et souvent, il s'avère même qu'on vous confie des tâches et que votre capacité financière n'arrive pas à réaliser. Et finalement, souvent, il y a d'autres qui se disent, mais est-ce que c'est la peine de continuer ou de... Ce que je dis, il faut serrer la ceinture. Bien sûr. Et tant que le temps
est là et que le courage aussi, on s'arme de courage, je pense qu'on va prospérer dans les entreprises. D'accord. Et je pense que dans les autres points, je vais essayer de développer cela. D'accord. Monsieur Abdelkadri l'a dit tout à l'heure, ça n'a vraiment pas été facile avec les banques. Les banques n'ont pas souvent confiance aux jeunes qui viennent de quitter le pain et se lancer dans cette aventure à risque, souvent comme on l'appelle. Alors, monsieur Doumbia, moi je vais vous demander quels sont les critères de financement des banques. Comment est-ce que vous sélectionnez? D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il y a le couple risque-rentabilité qu'il faut prendre en compte. Les banques analysent dans un premier temps la rentabilité de l'activité. Elles évaluent également l'ensemble des risques. Bon, les risques peuvent être relatifs à la faisabilité même du projet. Ils peuvent être également relatifs à la pérennisation et à la viabilité de la société ou de l'entreprise en création. Donc, je pense que tout d'abord, il y a certains points qui sont pris en compte. Il faut d'abord s'assurer, les banques s'assurent que le promoteur est en adéquation avec son projet. C'est-à-dire que le promoteur a au moins les bases de son activité, qu'il a une expérience à la matière. Une expérience. Sans vous couper, un jeune qui vient de quitter le pan, on peut quand même dire qu'il n'a pas d'expérience. Tout à fait. Cela voudrait dire que ce jeune a moins de chances? Non, pas forcément. Parce qu'on peut ne pas avoir une expérience pratique en la matière, mais à travers les formations qu'on a eu à faire à l'école, déjà à travers les stages éventuels, aussi avec les modules de formation que l'APEJ et d'autres structures institutionnelles offrent, le jeune peut avoir quand même une certaine connaissance pratique de son domaine. D'accord. Donc, les banques s'assurent dans un premier temps de cela. Aussi, les banques tiennent en compte du marché. Parfois, les jeunes veulent aller sur des marchés qui sont parfois saturés. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ils n'offrent pas de réelles possibilités d'amélioration sans innover en la matière. Ils veulent aller sur des marchés complètement saturés. Mais moi, je pense que, sans vous couper, moi, je pense que c'est le rôle de l'APEJ, au fait. Est-ce que vous n'aidez pas les jeunes à canaliser leurs projets, à les montrer ce qui est saturé et ce qui ne l'est pas? Bien sûr, M. Kaba. C'est ce que j'ai dit. Nous avons tout un dispositif d'encadrement en amont. Ceci se traduit par la mise à disposition des jeunes désireux de créer leur entreprise, de créer nos porteurs. Par exemple, on sait que maintenant, je prends le cas de Bamako, il y a des créneaux aujourd'hui, on ne va pas demander aux jeunes d'aller vers ça, tout ce qui est cybercafé. Au-delà de ça, dans d'autres pays, si je prends par exemple le cas de la Tunisie, vous allez voir qu'il y a une agence qui s'appelle ANITI, Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant, qui fait le même travail. On a le même dispositif au Niger, à travers EAN, Entreprendre au Niger, et nous avons le même dispositif au Sénégal, à travers le FNPJ et la NEJ, Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes. Donc, ces structures, leur rôle, c'est justement d'accompagner le jeune. Accompagnement comprend plusieurs composantes. Il y a d'abord tout ce qui est sciences d'information et de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Il y a également tout ce qui est formation selon le module TRI, trouver votre idée d'entreprise, module CRÉ, créer votre entreprise, et module GERM, gérer mieux votre entreprise. Et ces formations vont déboucher sur les outils, on donne aux jeunes les outils d'élaboration du plan d'affaires, le business plan, qui est un élément que la banque généralement demande. Cette fois-ci, nous allons partir à un reportage. Vous qui êtes jeunes, qui nous suivez, vous avez fini avec vos études, vous ne savez pas, bien sûr, comment vous lancer dans la création d'entreprise. Eh bien, nous avons fait le boulot pour vous. On s'est renseigné. Pour créer son entreprise, on a besoin de franchir trois étapes. L'APEJ, la banque et l'Agence pour la promotion des investissements. Et comment est-ce que ça se passe? C'est le cheminement que nous avons fait pour vous dans notre enquête de la semaine. Suivons. Comment cela se fait? Nous les écoutons, nous les accueillons, nous les écoutons et nous les orientons. Mais en général, le jeune prend contact avec les coordinations régionales de l'APEJ qui sont dans chacune des régions. Donc il y a une coordination au district de Bamako et il y a aussi des coordinations dans les 8 autres régions. Et arrivé là-bas, il prend contact avec les experts qui vont l'orienter, le conseiller et puis certainement lui montrer certains créneaux porteurs. Et là, va se poser la question d'élaboration du business plan qu'on appelle communément le plan d'affaires. Et pour ce faire, il y a des formations en entrepreneuriat
qui peuvent donner les outils aux jeunes pour que celui-ci puisse être à même de pouvoir produire un plan d'affaires. Les dossiers déposés par ces jeunes au niveau des coordinations régionales, comme je l'ai indiqué tantôt, sont transmis au niveau de la direction générale. Et à la direction générale, il y a le département entrepreneuriat jeunesse qui va prendre ces dossiers-là, faire un premier tri pour voir est-ce que le dossier est conforme aux standards de montage de dossier. Est-ce que le dossier évolue dans le secteur du transport, parce que nous, on ne finance pas le transport. Est-ce que le jeune, il a au moins 18 ans et au plus 40 ans? Et là, l'APEJ commet des consultants pour véritablement assister les jeunes à bien améliorer leur projet afin que ceci soit bancable. Et maintenant, si cette réunion prend fin, les dossiers de niveau A sont maintenant mis à la disposition de la banque pour études et éventuel financement. La liste des projets qui sont retenus à leur niveau et pour financement. Donc, une fois cette liste reçue, nous procédons dans un premier temps à une présélection. C'est-à-dire qu'il y a une unité carrément mise en place au niveau de la banque ici pour présélectionner les dossiers qui peuvent nous intéresser. Donc, c'est en fonction du secteur d'activité, de l'expérience qui a été signalée par l'APEJ au niveau du jeune par rapport au montant du financement. Donc nous faisons une présélection par rapport à, en fonction de la liste qui a été soumise. Bon, généralement, c'est des projets qui, dans le cadre normal des choses, c'est les jeunes qui ne peuvent pas bénéficier de financement sans l'appui et la garantie de l'APEJ, parce que c'est des gens qui n'ont pas une surface financière vraiment grande. Et c'est des gens également qui n'ont pas de garantie pour pouvoir bénéficier des financements classiques. Donne un délai minimum, c'est-à-dire d'une semaine à 3 semaines. Et nous faisons fort quand même de donner suite au dossier. Nous intervenons surtout dans l'obtention de tout ce qui est document administratif, notamment le registre de commerce, le numéro d'identification nationale, le NINA, et le numéro d'identification fiscale. Au niveau du guichet unique, le guichet unique est divisé en 2 branches. Vous avez le front office et le back office. Les agents du front office sont chargés de l'accueil, l'information et l'orientation du créateur d'entreprise. C'est au niveau du front office qu'ils déposent les pièces de création d'entreprise, selon les cas. Pour une entreprise individuelle, il s'agit de la copie de la pièce d'identité, le certificat de résidence, l'extrait d'acte de naissance, le casier judiciaire, l'extrait d'acte de mariage et le certificat de nationalité. Voilà, il y a 2 demandes à remplir, une demande adressée au greffier en chef et une demande adressée à notre ministre de tutelle. Mais vous avez les formulaires de ces demandes-là, il suffit juste de renseigner les parties vous concernant. Donc, pour les étrangers qui ne sont pas natifs de Bamako, parce qu'il est difficile d'obtenir le casier judiciaire à partir de Bamako si vous n'êtes pas natif de Bamako, pour une entreprise individuelle, commerce général, prestation de services, les frais sont de 8 400 francs CFA. Pour une entreprise d'import-export, les frais sont de 12 400 francs CFA. Et pour une entreprise individuelle avec agrément, selon les cas qui nécessitent une autorisation d'exercice, comme le cas des BTP ou autres activités nécessitant une autorisation au préalable, les frais sont de 12 400 francs CFA aussi. Tout cela se passe en 72 heures au niveau du guichet unique. Alors, retour sur ce plateau de Agoragie. Monsieur Soano, on a vu tout à l'heure qu'un jeune ne peut pas créer son entreprise sans pour autant avoir un plan d'affaires. Un plan d'affaires, c'est quoi un plan d'affaires? Alors, le plan d'affaires, déjà, c'est l'anglicisme. C'est la traduction en anglais du business plan. D'accord. Le plan d'affaires, c'est des projections financières. Mais ce qui importe de dire, c'est... Moi, je proposerais plutôt qu'on parle de document de projet. OK? Parce que dans le plan d'affaires, il n'y a que les éléments financiers. Mais alors qu'un projet, c'est un tout. Il y a tout ce qui est faisabilité économique, tout ce qui est faisabilité en termes d'études de marché, etc. Donc, il faut que le banque ait tous ces éléments-là. Surtout lorsqu'on a en face de nous des start-up. Des start-up, c'est des gens qui commencent, des gens qui démarrent. Et lorsque j'ai comme, des amis Garigo et puis Boiré qui disent qu'ils ont financé sur leurs fonds propres, c'est parce que tout simplement, la banque n'a pas eu toutes les informations qu'ils souhaitaient avoir. Ouais. Et ça, c'est souvent un problème.
problématique. Donc nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit que les formations que nous donnons, ça débouche sur comment pouvoir réaliser son plan d'affaires. Son plan d'affaires. Et okay. Là, on essaye d'impliquer le jeune pour qu'il lui-même, il ait toutes les données qui sont indiquées dans le plan d'affaires, afin que le jour où le banquier va lui poser des questions, qu'il soit à même de pouvoir apporter les réponses les plus idoines. Quoi. D'accord. Voilà. Monsieur, comme vous, quand vous avez commencé, vous aviez un plan d'affaires? Oui, pour pouvoir faire toute activité, il faut un plan d'affaires. Il faut forcément un plan d'affaires. Mais le plan d'affaires, il peut être écrit ou il peut être imaginé par le porteur. Donc, au début, nous avons fait notre plan d'affaires et pour notre activité informatique, bien sûr. Mm-hmm. Et nous avons commencé les activités. Mm-hmm. Maintenant, au cours de l'activité, il se trouve qu'il faut amender à certains niveaux. Mm-hmm. Donc, dans ce cas, on continue jusqu'à maintenant. Chaque année, on fait notre plan d'activité, qui est aussi un plan d'affaires. D'accord. Oui. Permettez-moi d'intervenir. Mm-hmm. D'accord. C'est justement ça le piège. Et parfois, les jeunes ont des bonnes idées, mais n'arrivent pas à peaufiner ces idées dans un plan bien conçu. Comme vient de le dire M. Boiré, il avait certainement de bonnes idées à la création de son entreprise, mais il n'a pas pris le temps de se faire assister par un spécialiste, par un expert, ou lui-même essayer d'élaborer une stratégie commerciale qui vise à attirer la clientèle, une stratégie en termes de moyens humains et moyens financiers. Et malheureusement, nous avons justement ce cas de figure qui représente la majeure partie de nos jeunes qui se présentent à nos guichets, qui se présentent au niveau des banques, qui n'arrivent pas à avoir concrétisé leurs idées de projet. Okay. Alors, pour revenir à ce niveau, il faut savoir que tous les jeunes n'ont pas les moyens pour consulter et prendre un consultant pour faire un bon projet, le plan d'affaires. Mais par contre, il y a des bonnes idées pour faire des activités lucratives et pour subvenir aux besoins ou sinon servir. Avant de passer la parole, parce que je sais que revient à PEJ, la formation de base pour créer son entreprise. Donc la PEJ, normalement, doit faciliter cela. Voilà. Donc je pense que Soumanou va parler là-dessus. D'accord. Mais ce n'est pas toutes les entreprises ou tous les projets qui peuvent être dans un plan d'affaires. C'est méconnu par la jeunesse. Oui. Je prends un exemple d'un cireur. Il a une entreprise avec ses inputs et il prétend avoir des outputs à la fin de la soirée. Et lui, il ne peut pas dire qu'il va d'abord attendre qu'il met son plan d'affaires sur papier et de chercher. Mais au contraire, il commence pas à pas. Et le jour où lui-même, il va essayer d'embaucher les autres, quand l'entreprise va prospérer, c'est en ce moment, lui, dans son cas, il peut dire qu'il va consulter un spécialiste pour mettre un plan d'affaires. Et contrairement à nous autres qui ont fait l'université, qui ont fait des études de gestion, etc., nous avons la latitude souvent de donner des conseils dans ce cadre-là. Nous pouvons conseiller aux jeunes qui ont des idées d'entreprise qui sont concis. Là, ils peuvent directement approcher les spécialistes pour ça. Et je pense que ça vient du cas de la pêche. Maintenant, ce que je peux dire, ça dépend comme il a dit. Déjà, si la question, la problématique se pose au niveau de comment faire le plan d'affaires, il y a des structures d'encadrement de l'État comme la pêche. Et j'ai cité les exemples dans d'autres pays, l'ANITI, l'EAN et puis Anéjo, au Sénégal. Donc, le jeune peut s'adresser à ces structures. Et c'est son structure qui choisit le consultant et paye. Donc le jeune n'a rien à payer, ça c'est important. Maintenant, il a parlé d'un espèce, voilà, exactement. Donc, ça aussi c'est l'effort qu'il est à consentir pour le jeune. Est-ce que c'est le même cas au Mali ici? Bien sûr, la PEJ fait cela. Donc les formations, nous payons des consultants qui même peaufinent ou vont améliorer le plan d'affaires. Il y a justement, c'est comme on dit. Maintenant, ce que je veux lui expliquer également, c'est par rapport, comme il a dit qu'il n'y a pas toutes les activités qui ont besoin de plan d'affaires. C'est là où justement on fait la part des choses entre le système bancaire classique et le système de microfinance. Par exemple, le sucreur là, la banque ne va pas s'intéresser à lui parce qu'il est dans une AGR, acquitte d'initiative de revenus. Et dans ce cas, il n'y a pas, c'est juste sur la base d'estimation. Mais il y a un type de financement pour eux, ça s'adapte à eux. Et c'est pour cela aujourd'hui, on est en train même de penser à mettre en place un système financier spécifique pour les jeunes. Par exemple, lorsqu'on prend un jeune, il y a une banque quelconque du Mali qu'on prend, on va envoyer un jeune là-bas, ce banquier va le traiter comme un grand opérateur économique. Normalement. C'est avec toutes les conditions qui va donner le prêt à l'opérateur économique qui donnera le prêt au jeune. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse mettre en place un système financier
dans lequel le jeune puisse se retrouver. Que ce soit les artisans, que ce soit, je veux dire, un agriculteur, que ce soit quelqu'un qui est dans le service comme vous, il faudrait que vous ayez votre système financier, votre produit financier, excusez-moi, votre produit financier qui s'adapte à votre besoin. D'accord. Ça, c'est extrêmement important. D'accord. Je tiens quand même à préciser quelque chose. Mm-hmm. D'une manière générale, je pense que les banques, les établissements financiers consentent des efforts importants pour soutenir l'entrepreneuriat jeune, comme j'ai eu à le signaler. Il s'agit de financer des projets d'avenir. Il s'agit de financer des petits projets d'aujourd'hui qui seront des grands projets de demain. Mais par rapport au plan d'affaires, ce que nous avons remarqué, c'est que dans la plupart des cas, le plan d'affaires, il est complètement en déphasage avec l'esprit de l'entrepreneur, l'esprit initial de l'entrepreneur. C'est dû au fait que le jeune entrepreneur ne s'implique pas dans lors de l'élaboration de son plan d'affaires. Il laisse, entre guillemets, le sale boulot aux structures spécialisées, aux cabinets d'études. Comme APEJ qui donne un consultant. Comme APEJ, voilà, qui lui met un consultant. Le jeune, comme je l'ai dit, ne s'implique pas dans la recherche, dans la récolte de données, ne va pas rencontrer ses potentiels fournisseurs, ses potentiels clients, ses potentiels partenaires. Il n'a pas une réelle connaissance du marché. Alors, il y a un beau plan d'affaires avec lequel il se présente au niveau de la banque. Bon, au moment de l'entretien, Le jeune ne maîtrise pas à 100% son idée. Tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. D'accord. Alors, si je comprends bien, en ce qui concerne la création d'entreprise aujourd'hui, elle peut être très, très simple pour les jeunes, s'ils le comprennent bien. La première des choses, c'est toujours de peut-être se rendre dans une agence comme l'APEJ et pour être canalisé. Et de cela, l'APEJ va envoyer toujours le jeune dans une banque. Et si le jeune est bien préparé, le jeune aura un financement dans la banque. Et pour finir, le jeune va se rendre au niveau de l'API. Vous pouvez nous parler un peu de l'API, l'Agence pour la promotion des investissements, maintenant pour la création de son entreprise. Ok, merci bien. Donc, vous savez, l'API, l'État a fait un effort extraordinaire en mettant en place cette agence-là, qui a même réduit les délais de création de l'entreprise. Parce que par le passé, nous étions, pour créer une entreprise, ça pouvait aller sur un mois, mais de nos jours, c'est sur 3 jours, 72 heures. Oui. Donc ah, oui. L'entrepreneur se présente devant les guichets de l'API avec les documents qu'on lui demande, éventuellement avec les frais de dossier. Ça dépend, je crois, 8000 francs pour les jeunes entrepreneurs qui veulent aller en statut individuel. Et je pense 250 000 francs pour ceux qui veulent créer des sociétés, bien plus sûr. Maintenant le capital initial est requis. Mm-hmm. Donc, en 72 heures, il a tous ses documents. Ouais. Il a non seulement le numéro d'identification fiscale, ça c'est extrêmement important, le numéro d'identification au niveau des organismes de sécurité sociale comme l'INPS. Mm-hmm. Et il y a également le registre de commerce qui constate, si je puis dire, la création juridique même de l'entreprise. Donc l'État a quand même la mise en place de cette agence. Franchement, je pense que ça a levé beaucoup d'épines au pied des créateurs d'entreprises. Parce qu'au départ, il y avait beaucoup de structures à visiter en même temps. Il fallait faire des démarches par-ci, des démarches administratives par-là, etc. Et mais au niveau de l'API, je pense que c'est un bon dispositif. Quoi. Alors, nous nous acheminons ici vers la fin de cette émission. Et toujours, nous allons continuer en images. Aujourd'hui, nous avons voulu demander à certaines personnalités au Mali qui ont quand même travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat, voir est-ce que l'entrepreneuriat, la création d'entreprises chez les jeunes aujourd'hui est un moyen pour sortir l'Afrique de son chaos économique. Nous avons rencontré Iban Djaï, il est ancien ministre de l'Emploi et nous donne son point de vue ici. C'est dans notre témoignage de la semaine. L'entrepreneuriat privé, je peux dire qu'on l'a dans notre sang. Chacun, même des fois ceux qui sont salariés, ils ont leur petite activité à côté. Je crois qu'il y a toute une culture à développer, mais vraiment sur la base donc, de politiques bien pensées, bien conçues et qui vont partir de la maîtrise, de la connaissance de nos réalités spécifiques. L'entrepreneuriat jeune n'est jamais facile. Il ne faut pas se leurrer. Ça demande d'abord une conviction. Ça demande un engagement. Et lorsque vous concevez l'entrepreneuriat dans un contexte comme le nôtre, je pense que c'est un environnement qui décense
et artisanal et informel et rural. Vous revient, jeunes, donc de gagner ce combat de génération, c'est-à-dire faire entrer notre pays, nos pays, donc dans l'ère de la modernité. Pour la plupart d'entre vous, vous avez eu la chance d'aller à l'école. Vous avez un plus par rapport à nos parents. Vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent d'accéder avec beaucoup plus de facilité au savoir. Surtout quand je vois, en tout cas, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez des outils, il faudrait que vous puissiez vous-même donc être le principal artisan de votre réussite. On revient sur ce plateau de Agouragi pour presque finir cette émission. Nous allons peut-être demander à M. Gariko. D'abord, M. Gariko, selon vous, aujourd'hui, comment promouvoir la politique de l'entrepreneuriat chez les jeunes dans nos pays africains? D'abord, je prends d'abord le chiffre qu'avait dit M. Soumano en début de l'émission. Voilà, qu'il y a au moins 100 000 jeunes qui viennent sur le marché de, pas de l'emploi, mais de création d'entreprises. Donc, un marché de travail. Donc, j'encourage cette jeunesse-là pour qu'ils s'engagent dans véritablement, ce qui concerne véritablement, surtout. La création de l'entreprise. Surtout, c'est seul la création d'entreprises et le fait de prospérer dans une entreprise qui va faire que nos différents États de l'Afrique puissent au jour d'aujourd'hui prétendre à sortir des différentes crises dont je m'incline en ces jours-là. Et après cela, pour que les jeunes puissent prospérer dans l'entreprise, je dirais tout simplement qu'il va falloir mûrir l'idée d'entreprise, mûrir de création d'entreprise et en plus de cela, s'engager parfaitement. Parce que quand je dis s'engager parfaitement, il y a d'autres qui disent, bon, voilà, aujourd'hui, je m'engage pour essayer. J'essaye aujourd'hui, ça ne marche pas, je fais 2 ans là, je laisse, je prends quelque chose d'autre, alors que le temps n'attend pas. Quand on s'engage dans quelque chose, il faut accepter avec toutes les contraintes et espérer un jour prospérer dans ce qu'on fait. D'accord. Alors, Monsieur Abdelkadri, souvent les jeunes ont peur de se lancer dans l'auto-emploi, voire la création d'entreprises. Les jeunes souvent préfèrent aller avec la fonction publique. Et comme ils le disent, dans la fonction publique, il n'y a aucun problème. À la fin du mois, on a son salaire, on ne fait pas du tout des tracasseries. Or, dans la création d'entreprise, c'est vraiment une aventure à risque. Il se pourrait que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de ces jeunes qui ont peur de se lancer dans la création d'entreprise et qui préfèrent aller seulement à la fonction publique? Bon, je ne dirais pas qu'ils ont pris un mauvais chemin. C'est pas un mauvais chemin, mais il faut toujours que les gens aillent dans la création d'entreprises pour faire développer les pays, parce que tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Bien sûr. Et même si les jeunes n'ont pas de financement, il faudrait qu'ils commencent à démarrer quelque chose, parce que les instituts financiers aussi, quand ils voient que les jeunes ont démarré de ses propres fonds, alors on fait maintenant confiance à ces jeunes pour apporter les financements. Bien sûr. Et je vais demander aussi à ces instituts, alors, pour faire un système de capital risque qui n'existe peut-être pas dans notre pays, et aussi les systèmes du business angel, où les anciens entrepreneurs, les gens qui sont en retraite, qui ont des moyens, qui viennent en actionnaire dans les sociétés. C'est vraiment une bonne idée. Permet de promouvoir la création d'entreprises. Et aussi, restant n'est pas égaré tous les bons projets qui sont, alors que les jeunes ont déjà eu à le faire. On peut encore fouiller dans les anciens projets parce que, comme M. Soumano l'a dit, il y a environ, sur les 100 000 demandeurs, il y a environ 500 ou 5 000, moins de 500 qui créent leur entreprise. Alors donc, sûrement avec l'accompagnement de la pêche, il y a beaucoup de bons dossiers encore au niveau des banques. Il faudrait que les instituts financiers commencent à être un peu légers à financer un bon pourcentage encore. Bien sûr, des jeunes entrepreneurs. Monsieur Doumbia, le banquier qui est là. C'est monsieur, ça. Monsieur le banquier, c'est vous qui financez le projet. Et dans le cas du Mali, ici, on voit que ce n'est pas très facile le financement de projets à votre niveau. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut promouvoir la création d'entreprises chez les jeunes, selon vous? Tout à fait. Moi, je pense que y a un problème fondamental qu'il faut signaler, c'est que beaucoup de jeunes n'ont pas la détermination nécessaire pour
se lancer dans les activités, en fait. Ils se lancent dans les business parce qu'ils n'ont pas trouvé une autre voie. D'autres débouchés. Voilà, comme la fonction publique ou autre chose. Donc, ils n'ont pas le sens d'initiative, ils n'ont pas toute la détermination pour aller créer, innover, prendre des risques. Parce que c'est cela, entreprendre. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous acceptez de prendre des risques. Oui. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, l'État a un effort important à jouer. Promouvoir cet esprit d'entrepreneuriat chez les plus jeunes. Pourquoi pas envisager des formations à l'entrepreneuriat au lycée. Pourquoi pas. Bien sûr, qui est vraiment important. Tout à fait. Pour qu'on ait l'esprit. Okay. L'esprit d'entreprise. Et aussi bien ficeler leurs projets. Bien ficeler leur plan d'affaires. Mm-hmm. Parce que malheureusement, les jeunes viennent voir les banques avec des projets qui n'ont pas été bien ficelés, d'accord, les données erronées. Par ailleurs, il y a aussi un point important que j'aimerais ajouter, c'est le jeune doit s'impliquer dans son activité. Malheureusement, beaucoup de jeunes sont financés sur la base d'un projet, mais ils prennent les sous qui mettent dans autre chose. Ah bon? Oui, malheureusement, c'est une... C'est peut-être ça peut être l'une des raisons qui empêche également les banques de nous faire confiance à 100%. Tout à fait. Moi, je dirais que c'est un cas rare. Non. C'est des cas rares et dans ces activités. Ou bien, je dirais aussi qu'il y a un problème d'accessibilité d'information. Par exemple, quand vous avez parlé de la détermination des jeunes entrepreneurs, mais moi, je dis qu'il y a beaucoup de jeunes déterminés qui sont prêts aujourd'hui à démarrer demain s'ils ont le financement. Mais malheureusement... Oui, mais en voyant les statistiques de Monsieur Soumano, on dira que est-ce que ces jeunes sont vraiment déterminés? S'ils sont 100 000 environ à aller sur le marché de l'emploi chaque année et qu'il y a environ 5 000 qui partent vers la création d'entreprises... Et quand, en fin du compte, ils sont moins vraiment excellés dans le domaine. Est-ce qu'on est comme vous, oui, qui ont accepté commencer sur fonds propres et accepté de peiner un moment et après prospérer. Alors pour finir, puisqu'on est déjà là, malheureusement, la fin de on se rejoint tous. Alors, je vais, il y a des recommandations, mais c'est déjà en pratique. Lorsqu'on parle de sensibilisation, ça existe. Il y a des sensibilisations qui se font au niveau des écoles, des mairies, qui sont institués par la pêche, et il y a même le module clé, comprendre l'entreprise, qui est enseigné dans les universités comme étant la mathématique, comme la finance que vous apprenez. Oui. Même ça, au lycée, voilà, le programme exactement. Est inséré. Il y a des formations qui se font, il y a également des success stories, la diffusion de success stories, le parcours des jeunes qui ont réussi, qu'on montre à travers ce qu'on appelle les GINEJ, les Journées Nationales d'Entrepreneurs, où on prend un marin ou une marraine ou bien un parrain. Ça, c'est des choses qu'on met à la disposition des jeunes. Au-delà de ça, il y a des concours de plans d'affaires que nous organisons entre les jeunes créateurs d'entreprises. Et ce qui est important, il a dit, il faut maintenant mettre en place des produits financiers adaptés à l'entrepreneuriat jeune. Il a parlé de business angel. Le Mali est en train d'aller vers ça, à travers la création de ce type capital risque. Mais malheureusement, ça tarde. Mais au-delà de ça, le business angel, il faudrait que les entrepreneurs qui ont réussi, je prends le cas, on peut maintenant se demander au patronat de mettre à disposition des grands patrons. Par exemple, je prends pour ceux qui veulent se lancer dans tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est communication, on peut demander à M. Sidibé d'être parrain, par exemple. Vous voyez? Il faudrait qu'il y ait cela. Il faut qu'il y ait cet encadrement par rapport à des gens qui ont réussi et qui puissent encadrer les jeunes. Et il faut également, enfin, il faut le suivre, rapprocher. Parce que je vous ai dit, imaginez les 500. Qui sont financés, le taux d'échec il est entre 90%. Ouais, il faut qu'on suive le projet. Voilà. Les projets ne sont pas suivis. Donc il faut vraiment ça. D'accord. On est déjà à la fin de cette émission. Monsieur Galko, si vous avez un dernier mot simplement à lancer à la jeunesse africaine qui veut vraiment se lancer dans la création d'entreprises, mais qui ont toujours des problèmes. Une fois de plus, c'est pour juste prendre un exemple en tant qu'anecdote. Au niveau de Bombay, il y a des jeunes de 5 jusqu'à 15 ans qui ne vivent que dans les ordures, avec les ramassages de déchets plastiques pour les transformations. Voilà des gens qui ont prospéré. Dedans. Et tout dernièrement, il y a des télévisions qui se sont déplacées pour aller les rencontrer. Aujourd'hui, ils sont plus de 40 ou 50 à prospérer là-dedans. Donc, la qualité d'une entreprise, ce n'est pas ce qui compte, mais la conviction que vous avez à faire prospérer cette entreprise-là qui compte. Donc, à toute la jeunesse de l'Afrique, je lance un appel à ce qu'on puisse serrer les ceintures et espérer à un avenir meilleur pour nos différents pays à travers la création. Juste 10 secondes pour un appel à lancer à la jeunesse. J'aimerais tout simplement dire aux jeunes d'oser entreprendre.
d'oser prendre des risques. Il faut d'abord se faire confiance pour que vos différents partenaires vous fassent confiance. Il faut offrir, il faut innover, faire mieux que vos concurrents. Moi, je pense qu'avec cela, nous allons avoir beaucoup de jeunes entreprises pérennes et qui vont aider nos différents pays à sortir de la pauvreté. D'accord. Merci. Monsieur Kadri, un dernier mot. Voilà, donc je vais demander à mes pères de serrer encore une fois de plus les ceintures, alors de démarrer toute activité alors qu'il semble être bon. Alors aussi les profonds et en fonction de cela et en approchant les instituts adéquats, ils auront quelque chose à faire. D'accord, avec okay. Monsieur Sou, Monsieur Soumano, pour finir cette émission. Moi, mon dernier mot va à l'encontre pour les banquiers. Mm-hmm, d'accord. En leur disant tout simplement que accepter financer un jeune, c'est prendre un micro risque. Vous allez prendre un micro-risque en finançant les jeunes. Donc voilà, je vous laisse méditer cela. Voilà, il est vraiment important pour les banques quand même de vraiment accepter de soutenir les jeunes. Nous sommes déjà à la fin de cette émission et la seule chose que nous pouvons surtout retenir, c'est que les jeunes doivent oser et tenter. Merci à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. On se retrouve, Inch'Allah, dans 2 semaines pour un autre numéro de Agoragie. Mais d'ici là, vous pouvez dès à présent réagir sur cette émission en nous écrivant à l'adresse agoragie@africatelevision.com ou tout simplement aller sur notre site internet et retrouver cette émission www.africatelevision.com. Merci à vous, jeunes d'Afrique et d'ailleurs, et on se dit Inch'Allah dans 2 semaines. Bonne journée.